bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Subnautica Arc. Alors, j'ai quand même pas mal travaillé, j'ai quand même pas mal farmé, et on est presque bon pour commencer à se faire des structures tech. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, déjà trois, mais il me manque du polymère, etc., etc. Je suis allée farmer pour avec notre copine Crystal, et du coup, on a la forge raffinée et tout ça, et tout ça. Oui, ça c'est ma forge, mais ça, il y a de quoi faire, hein. Y a de quoi faire, y a de quoi faire. Hop. Alors le métal, je sais plus s'il va trop me servir, mais de toute façon, il vaut mieux en avoir que pas assez. Et normalement. Ah, j'ai peut-être déjà posé l'obsidienne. Hop. Qu'est-ce que. Oui, non, je suis pas morte. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais, non. Ah, les perles noires, pardon. Oui, c'est vrai. Les perles noires. Hein. Oh, ce qui est cool pour les perles noires, pour le coup, cette fois-ci, c'est qu'on est à côté. Hein. On était à côté pour les faire. Ah, par contre, il va me falloir un petit peu d'essence quand même. T'es gentil, mais bon. Voilà. Alors, je voulais faire ça en masse. En masse, en masse, en masse. Polymère, ça va nous servir pas mal. Pourquoi? Parce que je veux faire le générateur tech. Oui, c'est toujours le bordel. Hein. Je mets tout dedans en fait, de base, comme ça au moins je suis pas perdue, c'est tout là-dedans. Le générateur tech du coup qui est dans divers. Alors il va nous manquer du métal, mais j'en mets un peu partout, donc ça se trouve j'ai largement assez. Perle noire qu'il faudra que je garde quand même un peu. Et polymère, il m'en faut 500. M'étonnerait que je puisse en faire 500 quand même. Hein. J'en ai pas fait 500 là. Hein. Va falloir que je retourne chercher. Alors c'est quoi qui va manquer? L'obsidienne. Écoutez, on verra bien s'il faut, j'irai rechercher de l'obsidienne. Enfin voilà, donc je pense m'installer là en dessous. Hein. Directement en dessous ou au milieu où c'était plat. En espérant qu'il n'y ait pas trop de bestioles et en espérant que tout se passe bien. Ce qui est cool, c'est que peut-être qu'avec le mode, enfin les modes, je vais pouvoir. Je sais pas trop comment ça marche, ça m'a l'air d'être des petits cubes. Alors, je sais pas si on peut faire des grandes salles ou quoi. Parce que je voulais faire des grandes salles, genre mettre des plantes et tout ça dedans. Vivre sous l'eau, quoi. Un peu comme dans Subnautica, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Subnautica Arc. Mais je sais pas ce qui est possible de faire avec le tech sur Arc. Je m'en sers jamais. Donc, on verra bien, les copains. En tous les cas, ça avance, hein. Bon, dès que je sors, je gèle, hein, mais on est pas mal ici. Pour l'instant, je me suis pas fait embêter à part par un carnot. Ça va. C'est plutôt cool. C'est juste le fait d'avoir froid qui est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais non, mais j'ai dit. Mais je vous dis n'importe quoi. Pourquoi je pensais que c'était les perles noires qui faisaient. Mais non, c'est le ciment. Donc le ciment, j'en ai plein. Donc c'est l'obsidienne qui va manquer. Bon, on va aller en rechercher, hein. C'est un peu chiant parce que je sais pas si ça respawn, c'est vers la rivière, c'est un peu plus loin. Il y en a, il est censé en avoir à côté de moi, je le trouve pas. Hein. Donc je préfère aller dans des coins moins chiants, quoi. Par contre, mon stuff, on est d'accord que c'est toi qui l'as parce que ça commence à m'inquiéter cette histoire. Je l'ai encore oublié. Je suis morte et j'ai rien pris, j'ai pas pris mon sac. Ah purée, bah si, il y a les sacs de couchage. Oh, faut que je me refasse une pioche. Une pioche, à moins que j'ai mis là-dedans. Là-dedans, non. Là-dedans, non, les copains. Pioche, je pense qu'il faut bois métal. Ah, métal, peut-être pas. Eh, donne. Métal, peut-être pas autant, mais il m'en faut. Hop. Et bois, je l'ai foutu dans la forge. D'ailleurs, qui ne me sert plus à rien. Oh, très bien. Hop. On se refait ça vite fait. Métal, pas du tout. Arme, mêlée. Hop, hop. Bon, je sais pas, j'ai dû oublier encore quelque part dans la panique. Oui, parce que je me suis fait attaquer par des trodons. Donc j'ai un peu paniqué. Je les aime pas, ces bestioles-là. Bon.
C'est parti. Alors du coup, il faut qu'on reparte côté là-bas. Hein. Bah voilà. Non, ça m'énervait, j'avais plus mon GPS, mais... Ah ouais, je l'ai perdu du coup. J'ai encore oublié mon stuff, bah, c'est dingue. Ah. Attends. Oh, y a un Rex qui arrive. Je l'ai vu. Oh, pas, non. Par contre, elle est pas très costaud, elle. Hein. C'est pas ma Wyvern. Comment? Full vie, les gars. Pas tout full, les gars. Elle, c'est juste pour le poids. Elle porte beaucoup, elle. Elle porte énormément, même. Si elle veut bien. Comment ça? T'as plus de place? Achète-moi ton bordel aussi. Ouais, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on sera sous l'eau, je pense que ça va être stylé. Si j'arrive à faire ce que je veux faire, je pense que ça peut être stylé. Après, on verra par la suite, mais... Écoutez, je vous reprends. Quand j'ai fait quelques... Non, quand on fait le générateur tech. Ça devrait pas trop tarder non plus. Si, tiens, on en ramasse quand même pas mal. C'est ça, le soufre, je sais pas quoi, mais c'est là. Sérieusement, on prend des trucs des fois. Attends, par contre, t'es un peu loin, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, Crystal. Ah, il a pas aimé, hein. Il va crever. Il a pas aimé, mon petit souffle de glace. Hein? On m'attaque. Je vais peut-être ramasser un peu de trucs sur le Rex, quand même. J'ai de la peau, parce que j'en ai quasi plus à la maison. Et puis les bras de tyrannosaure et tout ça, je vais prendre ça dessus. Hein. Tant qu'à faire. Allez. Il nous manque les perles noires et le métal. J'ai plus de... Ah bah non, j'ai plus ma bouffe. Il n'y a pas d'un peu. Vrai que non. Bah non, bon bah tant pis. Tant pis, oui, bah écoute, c'est comme ça. Il me faut le métal. On a là-dedans. Bon, ça continue à se faire. Le polymère, je pense qu'on va en avoir besoin pas mal, donc je le laisse se faire. Métal, la forge aussi là-dedans, elle a dû tourner pas mal. Enfin, si je peux porter tout ça. Ah. Ah si. Si si, j'ai rien dit. Hop hop. Donne. Et du coup j'en ai déjà plus de métal. Ça part vite hein, dans la forge. On va peut-être l'éteindre du coup. Voilà, on va l'éteindre tout ce qui reste. Ok, arrête d'avoir faim. Pourquoi elle a toujours faim, elle? Parce qu'elle a froid. J'ai pas de déj, j'ai rien là-dedans. J'ai de la flamme, par contre. On va plus. Hop. Ça devrait lui remonter, hein, la bouffe. Ouais, ça remonte. Ok. Alors, structure d'hiver. Et les perles noires, pardon. On va y arriver. Perle noire, j'en ai énormément. Hop, c'est à moi. Merci bien. Tiens. Quoi, gasoline? Il en avait pas, lui? Attends, arrête. Donne. Finis ça. Donne. Hop. Allumé. Structure d'hiver. Ouais, d'accord, générateur tech, structure, nanana, il a besoin d'éléments pour marcher, ok. Les éléments, j'en ai. Ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut refabriquer du coup maintenant? Tech. Polymère, éléments, ok. Éteint. Ça va être plus alimenté, ben non. Je vais commencer à être en galère de pétrole. Va falloir y penser. Hein. Mais je sais pas si j'ai de la peau. Je sais pas si la peau que j'ai ramassée sur le Rex, ça fait quelque chose. Il y en a là-dedans. Il y a un peu là-dedans. Du pétrole un peu. Du pétrole j'en ai, hein, mais c'est pas le problème. C'est la peau qui va me...
Qu'on refasse un peu de ça. Alors, qu'est-ce que t'as là, son... T'as tellement de conneries. Je pense que ça marche pareil. Je pense que ça marche pareil. Hop. Donne-moi. Et j'imagine que c'est faisable, enfin que ça là-dedans ça fait du pétrole aussi, du la gasoline. Hein. Un peu. Est-ce que ça va le faire? Ça serait bien en vrai, hein. Non, j'aurais cassé ma forge pour rien, quoi. Ça, c'est chiant. Après, normalement, si on peut mettre la peau et tout ça, c'est que ça devrait marcher. Hein. Ah non, j'ai soif. Ah, bah oui, largement. Oui, bah c'est bon. Bouge pas. Après, est-ce que tout faire est une bonne idée? Oui, peut-être. Pour l'instant, qu'est-ce que je fais? Donc, perle noire, cristal, polymère, électron. Polymère, cristal, perle noire et électronique. Je crois que il y a une drôle de vue là-dedans. C'est le brouillard du truc, ça. Électronique, je vais en avoir pas du tout. On va refaire. Je sais pas de quoi ça se fait. Perle noire. J'ai encore des perles noires, bordel. Ok. Enfin, c'est trop bizarre la sensation de vue là. Je crois que c'est des perles de silice qu'il me faut. Ah non. C'est ce lac là si jamais, normalement. Ici quoi. On voit pas bien que la map là parce que voilà. Ici. Je crois que normalement il y en a plein au fond. On va juste là, déjà on les voit. Ok. Bon. Maintenant là. Hop. Je crois que ça se passe bien. Bon allez. De toute façon, juste là, très cool. C'est les Quetzal qui m'ont pris en grippe? Sérieusement? Par contre, j'ai pas vu que je. Les perles. 270, c'est tout? Attends, par contre, c'est bien ça. Ça nourrit bien, ça. Normalement. Pour toi, c'est un peu chiant quand ça fait ça. Pas voir mieux que ça. Pas trop encombré. Ok, bon. Oui, t'es pas content, mais je touche pas ton nid. Bon, tiens, prends tout ce que tu peux. Ça, je mange. Hop. Allez. Ah oui, mais on a pied. J'aime pas avoir pied. Des saumons. Je sens que je vais me faire bouffer par un truc, je sais pas pourquoi. Vous savez, moi et ma chance. Vous connaissez quand même. On va pas en trouver plus que ça, normalement il y en a tout le lac. Voilà, pas, apparemment non. J'ai rêvé la première fois. Je croyais que c'était un lac rempli. Après, on peut en faire quand même pas mal, je veux dire, avec ce qu'on a, mais j'en voulais plus parce qu'on va en avoir besoin et j'ai pas envie de revenir là à chaque fois.
l'impression. J'ai pas l'impression, hein. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais c'est moi. Non? Aussi avec les reflets, des fois, hein. Voilà. Purée, ils sont un paquet, eux. Oh! Ah, il y a du monde, ouais. On n'est pas là pour l'instant pour ramasser les œufs, mais regardez le nombre de Ptera, quoi. C'est stylé, hein? Oui, non, mais toi, je t'ai pas touché ton nid, alors fous-moi la paix. J'aurais dû, d'ailleurs. Bon, on rentre. On a bien assez, ça suffit. Ça suffit, maintenant. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vais prendre ma tenue de plongée, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de l'arbalète, j'ai rien pour. On va prendre les éléments avec nous. Le truc tech, ça. Arrête d'avoir faim. Et on va essayer de s'installer, hein. Bon, ça me fait un peu peur, hein, je ne cache pas. Y a bien moyen de s'installer, hein. Ah, mais je vais placer déjà ça. Donc deux modules comme ça. Mêlée parce que je sais pas ce que t'as. Okay. J'espère que ça marche, qu'avec des éléments. Hein. Pas que je fasse une plongée pour rien. Tellement stressant en plus. Tous en vie comme ça. Pétrole, c'était un peu plus loin que je voulais me mettre. Je crois que c'était un peu plus loin que je voulais me mettre. J'avais dit un endroit plat. On se ramasse, ça. Non, c'est pas comme dans son petit chat, bah non. Non. Il y a un poulpe. Il y a un poulpe et j'espère qu'il m'a pas reniflé. J'espère que non. C'est comme ça. Ok, il y a lui. Pas si on va pouvoir s'installer ici. Hein. Il y a un mosasaure, il y a tout ce qu'il faut pas en fait. On va essayer quand même de se placer là. Alors, comment ça marche? Je vais être au sol. Alors ça c'est une, deux. Bien, on est d'accord. Et du coup, pas tourner ça. Parce que pour rentrer dedans c'est bien, mais je vais pas pouvoir rentrer partout aussi. On va essayer comme ça déjà. Le générateur tech, il m'a l'air bizarre, mais pourquoi pas. Ça fout trop par contre. Genre là, et ça prend en compte. Je mets des éléments dedans. Réactive. Oui, ça prend en compte. Par contre, je me fais attaquer par une baudroie abyssale. C'est pas cool. Elle passe à travers, ces saloperies. Attendez. Déverrouiller. Non, alimenter. Non, je me casse. Non, je me casse. J'ai pas bien compris comment. Oh! Trop bien! Si j'aurais un truc, là, ils seraient tous morts. Alors là. Sauf que j'ai pas. J'ai rien pour. Sors-moi de là. Oh, ça ferait tellement de gelée, ça. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait que celui qui était à côté qui était pris en compte. Et comment ça marche. J'ai pas eu le temps. Et elles m'ont pas lâché. Hein. Personne m'a lâché d'ailleurs. Mais je préfère mourir en surface. Voilà. Au moins, je pourrais peut-être récupérer mon corps. Ok, super. Bon. Ça va être coton. J'ai pas compris. Ça active que le truc à côté, mais vraiment à côté, quoi. Il y a peut-être un rayon et tout, mais faut que j'y retourne quoi.
Viens, on m'a tué. On m'a tué où? Là. Tout en passif, par contre. Parce que lui, il va pas me laisser récupérer mon stuff. Hein. Non. Bah écoute, attends. Mets-toi comme ça. Oui, oui, non, mais non. Mais j'ai dit passive. Saloperie, voilà. Attends. Ça va bien se passer, sérieux. Je peux te monter dessus ou pas du tout? Non, tu me pousses, hein. C'est sympa, toi. Ok. J'y retourne, hein. Non, mais... Bien sûr que je vais y retourner. Faut que je m'en fous. Toi, tu restes là, hein. Pas bouger. D'accord? Faut que je retrouve ma base. C'est en bas, quelque part. Il y a lui. C'est en bas quelque part. Aïe. Nope. Par contre, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Faudrait que je l'éloigne. Il me suit. Ne vous inquiétez pas. J'arrive à lui monter dessus à elle. Pas moyen que je le frappe à travers. Oui, non, toi. Ah, elle te fait descendre à chaque fois, c'est cool. Pas moyen qu'il s'éloigne ce truc. Non? Il ne laissera jamais descendre en vrai. Attends. Ok, par contre, maintenant pour retrouver là-dedans où je m'étais installé. Ça va être coton. Par là, non? Pas du tout. Ça me dit rien ici. Je devais pas être si loin que ça parce que je suis remontée direct. Hein. Par là. On va s'en sortir quand même. C'est vraiment complexe hein, de s'installer sous l'eau. Hein. Je sais pas dans quoi je me suis lancée là les copains, mais. C'était pas là. Pourtant c'est bien plat ici, j'aurais dû me mettre là. Ah! J'avais pas vu qu'il me. Il y a une personne. Qu'est-ce que j'étais? Il va me choper le poupon, c'est sûr. Essaye de bouger un peu, mais. Après, je perds rien, je perds ma tenue de plongée et tout, hein, c'est tout, mais. Ouais, je perds ma tenue de plongée. Saloperie, saloperie. Je vois mon corps, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller du coup. J'ai que. J'ai la moitié de la tenue. C'est pas assez. Donc, j'étais passé là. J'avais fait le tour de ça. Je me rappelle. Parce qu'il y avait la bestiole, je m'étais dit, oh non, il y a une bestiole, blablabla, bla, bla. Et donc, ouais, c'est là. Alors, comment m'en rappeler quand je suis perdu sous l'eau? Une idée. Ouais, et donc, le rayon, c'est parce qu'il n'est pas assez grand. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Est-ce qu'on peut poser un sac de couchage? Hein, déjà. Ah non. Ah non.
Bien sûr que non, ça c'est complètement con par contre. Afficher. Oui. Portée. C'est plus grand là? Ça fait que ça, un générateur? Attendez, je vais le ramasser vite. On voit plus rien. Au secours. Je suis sous l'eau, je vois plus rien. Ok. Ah mais si je le fous dans une fonda... Je sais pas où je le fous. Okay. Je sais pas où je l'ai mis. Mais... Activé. Bon, ça fait de la lumière. Ok. C'est bon là, je respire. Ok, bah c'est pas plus mal, hein. Par contre, comment on passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. C'est un sas, ça? Faut mettre des portes? Bah après, on est pas mal, hein. Faut poser un sac de couchage ici. Voilà, hein. Jamais, parce que là on est sous l'eau, c'est bien. Ça fait très peur, hein, d'ailleurs, c'est très sombre. Maintenant, ah, et là je peux sortir sous l'eau. Bon. Ok, et là de ça, là, voilà, on a tout ça, on est content. C'est vachement grand. Hein. Bon, le générateur heureusement fait de la lumière. Maintenant, maintenant, je suis descendue avec rien. Il va falloir que je remonte. Et que je fasse le transfert de pas mal de choses là-dedans, déjà. On va essayer d'agrandir. On va essayer déjà de s'en faire 4. Un bloc de 4. Enfin, un truc de 4 sur 4. Peut-être pas mal que je peux sortir par là. Pas sûr. Hein. Pas sûr qu'il y ait de la place. Mais... Parce qu'en vrai, après, vous pouvez sortir par n'importe où, en vrai. C'est mieux s'il y a un sas, quoi. Ouais, je passe pas. Hein. On passe pas sous l'eau, là. Ouais, ça sera notre piscine d'intérieur. Ça, c'est un peu con, par contre. C'est un peu con, ouais. Ok, on va essayer de remonter sans mourir, pardon. Je sais jamais dans quel sens, par contre. Vers la surface, ça serait déjà pas mal. Du coup, pour la retrouver d'où j'habite, ça va. Mais faut pas se faire bouffer, quoi. Pardon, j'avais pas vu, j'étais mute. Donc j'ai réussi à redescendre, les copains. Il y avait une baudroie qui m'a attaqué, mais j'ai réussi à vite refermer. Du coup, j'ai posé mon lit, je viens de poser mon lit. On va essayer de réouvrir, mais j'espère qu'elle sera pas là, et de mettre l'autre... Et de mettre ça, quoi. Voilà. Hein? Voilà, on est bien. Hop. Donc, on peut... Pas du tout. Ah si, si, on peut ouvrir. Voilà! Et ça commence à être pas mal. Il y avait le mosasaur qui est... Ah, on le voit de là! Stylé. Mosasaur qui est là-haut. Bon, ça, du coup, ça m'embête un peu. Hein, mais bon... Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est elle qui a voulu m'attaquer. On va placer, du coup, vite fait, quelques trucs. Alors, à côté de la piscine, pourquoi pas, mais... Enfin, la piscine. Bon, attends, c'est un bassin, quoi. Ok, les lampes. Alors, ça, on verra comment. Ces lampes-là vont éclairer... La baraque, si possible. Oh non, on peut pas. Oh, c'est triché. Oh, c'est triste. Ah, je peux les mettre par terre, quoi. Après, ça éclaire, je m'en fous. À la limite, que ce soit par terre ou pas. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ah, celle-là, je peux la mettre en haut. C'est bizarre, non? Ça, la place, ça les place bizarrement quand même. Hein. Ah, peut-être là-haut alors. Ouais.
Non, parce que quand il fait nuit là-dedans. Hein. Allez. Pourquoi tu veux pas? Des fois non, des fois oui. Il va partir sur eux. Je m'en fous, moi. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Hein. Ça va bien un peu plus haut quand même. Ça veut pas. Ah si, sur là ça veut. Pourquoi on sait pas, mais ça veut. Donc c'est pas grave, c'est pour nous éclairer. Ok. Et les petites, du coup, est-ce que je peux les mettre? Oui, celle-là, oui. Pas sous l'eau et tout ça, mais ça on sent. Les blanches. Une là. Une là. Là, du coup, il y a ça. Là. Et là, il y a ça. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Mais je vais la mettre. En vrai. Je me fais embêter par une mouche. Ça va être insupportable. Ok. Là on est bon pour le coup. Bon, il est un peu. Et du coup ça consomme combien ce truc là? J'ai pas. J'ai accès à l'inventaire? J'ai pas accès à l'inventaire? Ah ça va pas m'aider ça. Il va falloir que j'en fasse un autre parce que si ça consomme je ne sais plus combien, en espérant que ça ne consomme pas de trop, bah à un moment donné la base va s'éteindre quoi. Il y a moyen de le. On va être sous l'eau. Hein. Okay. Bah ouais, mais si je le fous, je suis obligée en fait de le mettre là. Bon, il consomme que dalle, hein, mais. Bon, le problème, c'est que si je le mets. Bah ouais, je suis obligée en vrai. Attendez, on va essayer de passer. Voilà. Ouais. Là, il est dessus, on est d'accord. Hop. Là, il y a l'inventaire. Hop, active. Merci. Ok, là, ça sera peut-être mieux. Ok, j'ai accès à l'inventaire. Bon, c'est mieux. Ça. Ramasse. Ramasse. Un petit feu de camp. Un petit atelier. On sera pas si mal que ça. Atelier là. Mais... Ah peut-être pas parce que si je veux je vais le mettre là. Hop. Parce qu'après si je veux faire une cuisine, voilà quoi. Par contre le reste là, pour l'instant le sapin de Noël et tout ça, c'est vraiment pour pour dire mais c'est pas ça, ça va pas rester là, ça c'est des. Comment? C'est juste pour crafter des trucs. Bon bah voilà! Enfin sous l'eau. Ah c'est pas la meilleure base du monde. On va. Alors par contre c'est embêtant qu'on puisse pas mettre de porte. Hein. On va ouvrir, on va sortir pour mettre les lumières extérieures. Ça pue un peu mais bon. C'est juste pour que ce soit joli en fait. Ça soit éclairé autour de ma base. Histoire qu'on la voie un peu. Non, vas-y. Ok, arrête d'avoir faim. Oh, tu peux pas manger sous. Mais referme-la. Je veux pas ouvrir le sas, je veux le fermer. Oh non. Ça veut plus se fermer, c'est bugué. Ça. Voilà, pourquoi ça serait bugué? Attendez, on va la ramasser celle-là, il n'y a rien dessus. Hein. Et je la replace.
Bon, ce qui est cool, c'est qu'on peut les choper, mais... Voilà. 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 Bon, c'est pas super éclairé, mais ça commence à le faire, hein, les copains. Hein. Passons où mes lumières? Ah oui, j'en ai perdu. Dans le trou. Peut-être en refaire vite fait. Il est où mon trou? Là-dedans, il y a quoi comme lumière? Peut-être mieux que ça. Hein. Un truc qui éclaire mieux que les petites. Les petites, c'était pour faire joli, mais. Juste pour voir. Celle-là ou celle-là? Elles sont sympas, les petites comme ça. Et celle est... Ouais, ça, c'est grand. La limite, la grande, dans le truc. Les petites comme ça sont sympas aussi. Après, je crois qu'on peut même changer les lumières. Hein. Pas du tout, mais ça veut bien prendre la lampe. Ça veut plus, mais. Je crois qu'on peut changer, genre qu'elle soit pas jaune, par exemple. Ah non. Ah, ça va, mais il va falloir en mettre plus de lumières. On va rien voir si on a un problème. On mange, tu me gonfles. Et d'ailleurs, quitte ton masque là-dedans. Tu uses le truc pour rien. Ok. Light. Il va falloir en mettre un peu partout, quoi, des lumières. Il y a grand ou pas? Small? Medium? Large? C'est le début de base, hein. Vous vous moquez pas, on verra par la suite comment on fait. Voilà. Deux lampes comme ça, celle-là c'est bon. Par contre, dites-moi s'il y a des portes de sas comme ça, parce que ça va être chiant sinon. Enfin, si à chaque fois on doit se ouvrir la base pour se foutre sous l'eau. Pour être bien, quoi. Ça va être chiant. Ça éclaire un peu mieux déjà. Heureusement qu'il y a quand même le générateur parce que sinon on voit pas grand-chose. Hein. À moins qu'on en rajoute là. Là, là. 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 C'est bizarre. Oui. C'est bizarre, mais ça éclaire au moins. Eh bien. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous aussi vous voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. Ça vous offre certains avantages sur les autres et en plus, vous me soutenez, vous soutenez cette chaîne. Donc si vous aimez mon contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez la personne et si vous voulez que cette chaîne continue, bouton rejoindre. N'oubliez pas aussi avant de partir de laisser un petit like, de commenter et de vous abonner. Je réponds à tout le monde. C'était Lee et on se dit à bientôt. Allez, ciao!